Bonjour, bonjour. Je m'apprête à aller faire un petit tour qui habille, j'aime bien de temps en temps. Je crois que la dernière fois, ça remonte à il y a un mois et demi, où j'avais d'ailleurs présenté la collection de rentrée, mais je sais que assez souvent, ils rajoutent pas mal de pièces. Moi, ce que j'aime le plus chez eux et ce que je mets le plus, c'est les petites vestes blazer associées à des t-shirts messages ou les bas peut-être un peu moins, les robes longues, oui. Voilà, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de robes longues, j'ai l'impression que c'est une enseigne que vous appréciez également. Voilà. À première vue, tout ça, ce sont des nouveautés parce que moi j'avais pas vu. La combinaison kaki, pareil, ça ne me dit pas non plus. Bon bah c'est cool, on va faire un petit tour ensemble. Qu'est-ce que c'est confortable ces trucs-là. Je suis fan de mes Hugs et celle-ci là, les Manoukian, j'arrête pas de les mettre, tellement confort. Ça j'aime bien ces robes-là, mais le problème c'est que je pense pas que ça marque la taille. Par contre, ça doit bien marquer au niveau de la culotte de cheval. Ouais. Alors attends, je suis en train de comprendre le concept. Ouais bah ok, d'accord, donc tu mets ça, je pense, avec un sous-pull, j'imagine, manche longue. Oh, celui-ci, le manteau long, là, il me plaît bien. Gris chiné, sachant que j'ai un beau manteau, si vous avez déjà vu, vert. Je vais peut-être l'essayer, celui-là. 40, non. Ah bah évidemment, évidemment, on n'a pas ma taille. Ah si, un petit 38. 38, ça peut le faire. Attends, on va essayer ça, là. J'aime bien. Et pourtant, vu que je suis pas très grande, quand c'est long comme ça, j'ai toujours peur que ça tasse. Mais là, je sais pas. Pourtant, je porte pas des talons hauts. Je fais 1m62. J'en ai pas besoin. Mais pour le principe, c'est pas mal. J'ai mon cache de mon objectif qui est tombé précisément ici. Depuis, je ne sais pas où il est. Ah, purée. Ah, il est là. C'est bon. Yes. Ok. Que d'aventure. Tant qu'à être dans les essayages, j'ai vu un petit manteau pareil. C'est vraiment pour le fun, moumoute. Attends, je ne vous ai même pas donné le prix, c'est pas bien ça. Le manteau gris, il coûte 49 euros le manteau gris. Et celui-ci, 40. J'ai pris taille S. Ah, je crois que ça me va pas. Ça me va pas au teint. Je crois pas, non. Par contre, avec mes chaussures, c'est pas mal. On continue avec ce coloris olive moutarde taille XS. Ah oui, ça va être compliqué. À première vue, c'est pas trop mes couleurs, mais faut essayer. 49 euros. Oh. Ok. J'ai pas mis le haut le plus pratique pour faire des essayages. J'aurais dû prendre un truc un peu plus neutre. Ah ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, on est sur ZZ et plus X. On dirait des pervers avec leur... Alors là, on tient peut-être quelque chose. Même modèle que l'autre, coloris différent. Ouf. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est un XS. Il me paraît super grand. C'est pas possible, c'est pas un XS. Si, XS. Et bah. Mais au moins. Vous avez un aperçu quand même de la collection et de comment y remporter. Je vais tester un truc, ça, je sais que ça me va pas du tout, mais bon. Ça, taille 40. Petit blouson, taille 40. Bah écoutez, taille 40, pour le coup, ça va. Ça permet de mettre des choses un peu plus amples en dessous. Il est vachement confortable. Un peu court pour moi, j'aime bien quand ça cache mes fesses. Je sais pas, j'ai un problème avec ça. Mais vraiment, sur le papier, j'ai voulu essayer parce qu'il était à côté, je l'aurais pas pris. Et ben, il est super, il est beau, j'aime bien. Et en plus, très 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 confortable. 22 euros, j'aime bien. C'est surprenant, vraiment, j'aime beaucoup. Et ben, pareil, j'en ai pas besoin. Oh, j'aime bien, c'est fou ça. 22 euros, ça va, très correct. Un basique, un gilet long gris chiné, pareil, je suis pas du tout habillée pour. Parce que ça, moi, je le porte avec un t-shirt. Je le vois bien avec un joli t-shirt ou un body blanc. C'est ridicule de le porter avec ça. Bon, si je me mets comme ça, si vous allez vous rendre compte. Mais il faut que je marche comme ça et je ne me retourne pas. Tu vois, tu restes comme ça et là, ça passe. Il est mignon, il est doux, il est confortable. Donc... pas mal. 20 euros, j'ai pris taille S. Alors ça, c'est typiquement ce que j'aime, mais il n'y a que le, voyez, le plus près.
44, voilà, c'est la seule taille, 44, forcément, ça ne va pas m'aller, mais dans le délire, et ça, je suis sûre que je peux le porter avec ça, ça peut être joli. Eh ben, je le savais qu'avec ça, bon, forcément à ma taille, mais j'aime beaucoup. Beaucoup. D'accord, c'est beaucoup trop grand, mais pas mal. 35 €, c'est un peu plus cher celle-là. Regardez leur petit sac. Oh, voilà, je suis pas droite. Il est pas vilain, hein. 14 €. Ça a sorti le petit body glitter. Est-ce que ça sent body string? Attends, body string. Ah ouais, non, c'est pas possible. Bon, là, je vais en cabine parce que ça va se dénuder un peu. Il doit être midi maintenant. Il y a personne. Elles sont pas mal. Taille 37. Il faut essayer. J'ai vu vite fait le prix. Ouais, 27 €. Très correct. On a ce pull. Pull long. Je l'ai pris grand, je crois, enfin taille M, voilà, très bien. C'est un petit haut bleu marine, je vous montrerai, j'aimais bien l'encolure. Ça, c'est une robe longue, taille S. Le truc, c'est que c'était au rayon ado, je crois. Donc, faut voir. Et ça, très classique, mais mignon. Et il y a toute une déclinaison de couleurs, bleu marine, gris, je crois. Donc, c'est parti. Je me crois tellement toute seule que j'avais même pas tiré le rideau. Voilà, minimum quand même. Bon, bah, ce pull est quand même très long. Puis il fait bouffant là. J'aime pas du tout la coupe qu'il a. C'est dommage parce qu'au niveau de la douceur, c'était sympa. Le haut me plaît beaucoup, l'encolure. Mais alors là, ça part en cacahuète. Vous voyez? Ça fait ça, culotte de cheval. C'est pas nécessaire en fait. Mais bon, la maille était belle, tout était bien, mais non. Ah non, c'est pas celle-là. Elle est pas mal du tout, hein. Flemme, hein. J'ai laissé le jean, enfin je me rends compte quand même du truc. Pareil, le haut, très sympa. Et ben, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi confortable. Bon, ça sert beaucoup. C'est plutôt joli. Ouais, je pense qu'avec... j'aimerais bien que des bottes, ou même là, les chaussures noires. Oh, ça peut être super sympa. Je l'aime bien. Ouais, combien déjà? 10 €. Joli. Mais voilà, moi, cette longueur... Non, je sais pas, j'arrive pas. J'y arrive pas. C'est tout bête, hein. C'est dommage parce que il est très beau. C'est très très beau comme petit haut. C'est tel que je l'imaginais. J'aime beaucoup l'encolure. Je trouve ça très élégant. Matière, comment ça s'appelle? C'est doux. C'est un peu stretch. Bleu marine en plus, je trouve que c'est quand même... C'est un joli bleu. Mais j'en ai déjà, j'en ai pas forcément besoin. Concernant mes cheveux, au cas où vous posiez des questions, j'ai de l'huile réparatrice. Parce que mon shampoing est prévu ce soir. Ok. C'est pas mal, mais je sais pas trop. Vous voyez cette sensation? Et pour le prix, ça serait dommage. Il y a une certaine rigidité qui me gêne. Après, je vois qu'il y a moyen de desserrer. Bon, le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être incarcérée avec les menottes aux chevilles. Ouais, j'avoue que j'hésite. Parce que je trouve qu'au niveau de la cheville, comme je vous dis, ça sert pas mal. Et c'est pas non plus flatteur, parce que moi, j'avais dans l'idée de mettre peut-être collant... En laine. Je ne les prends pas. En tout cas, pas aujourd'hui. Je ne suis pas encore décidée. Je ferai le dérochage, puis c'est peut-être à ce moment-là que je me dirai ah. Ce qui peut être sympa aussi en automne, c'est leur collection pyjama. Ça, par exemple, très classique. J'aime beaucoup. Très très beau. Pareil, je n'en ai pas besoin, mais full of love. Comme c'est étrange. Mm-hmm. La nouvelle saison va sortir ou? Parce que je vois plein de Wednesday. Amour de ta vie. Et là, là, on doit être sur du très, très, très pilou-pilou confort. Oh, avec le petit pantalon. Oh, il est tout, le pantalon. Ah ouais, pas mal. Mais alors ça, laisse tomber. Moi, je mets ça, c'est tout de suite sali. C'est pas possible. Puis avec la jaquette qui est tout le temps sur moi, merci. Ah, attends, je vais pas essayer celui-là. J'ai toujours voulu essayer des aviateurs. Allez, je l'essaie. Côté blanc, je vous dis, j'ai toujours peur de salir. Je vais vous donner quand même le prix. Il est à 45 €. Ça vous dit, on rentre manger? Moi, ça me dit bien. Allez. Finalement, je n'ai rien pris. Je vais mûrir la chose. C'est pas mal aussi, comme ça, je verrai. S'il reste des modèles et que je me décide, c'est qu'il fallait que je les prenne. Voilà, je fonctionne comme ça. Ma casquette, je l'ai mise parce qu'en fait, elle traînait, celle du Vendée Globe. Parce que je me suis dit que je ne vous l'avais pas montré porter. J'ai aucun retour avec mes lunettes polarisantes. Mais je pense qu'elle est pas mal. Vous pourriez croire que je suis au régime, mais non. Je dois avoir les yeux explosés. Ça fait exactement 3h40 que je suis comme ça, devant mon écran, à faire le montage
de cette vidéo, parce qu'en fait, elle doit sortir demain, et demain, je ne serai pas là. Enfin, si au moment où vous verrez cette vidéo, je serai rentrée, mais je reviens en fin d'après-midi. Donc, il faut absolument que je finisse là, maintenant, en dérochant. Et bah, je me suis rendu compte que j'aimais bien les boots, quoi. Les Rangers, là, les petites... ouais. Je trouvais que c'est ce qui m'allait le mieux. Et le pull, je suis dégoûtée qu'il soit si mal coupé, parce que vraiment, je l'aimais bien. Un petit peu plus court et plus droit, je l'aurais pris. Peut-être que demain matin, avant de partir, j'irai m'acheter mes chaussures. Combien ? 27 ? Ouais, franchement, ça vaut le coup. Elles sont pas mal. Elles sont vraiment bien. Je crois que c'était la dernière taille, 37. Comme je vous disais, si elles sont encore là, c'est qu'il fallait que je les prenne. Ah si, il y a un truc qui est trop cool. On n'aime pas trop, on n'est pas trop au cinéma. Parce que déjà, on a un très bel écran à la maison. Et parce que on peut pas mettre sur pause quoi au cinéma. On peut pas dire, attends, une pause, on va faire pipi ou machin. Mais je voulais absolument voir Le Comte de Monte Cristo, qui apparemment est magistral. Et bien, je viens de me rendre compte qu'on peut l'acheter là. C'est à 13,99€, mais je pense qu'Eric le regardera plusieurs fois. Et je me suis dit que quand ma maman, parce que je crois qu'elle voulait le voir, bon, elle n'a pas été au cinéma non plus, et bien quand ma maman pourra se déplacer, je la ferai venir à la maison. Moi, comme ça, je serai là-haut, je bosserai, et elle sera tranquille, elle pourra le voir aussi. Je pense que ça peut être pas mal. 13,99€. Voilà, c'est comme si en fait tu payais tes... C'est combien d'ailleurs maintenant le cinéma? 7€? 9€? Ça reviendrait à avoir payé ta place de cinéma. Qu'est-ce qu'il y a sans bébé, ça? Tu t'incrustes dans la vidéo de ta mère? Montre-toi. C'est son bébé. C'est son petit bio. Amoureux sa maman, les doux. T'es doux? Et bah, au niveau des bêtises, ça va mieux, hein. Il y a moins de vols. Il y a beaucoup moins de vols. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo, ça m'a bien plu en tout cas. Et je pense que je le ferai régulièrement. On a les grosses collections de saison. Et je crois qu'entre, il y a des collections capsules. Je compte bien le refaire. Dites-moi si ce format vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à vendredi pour la suite des aventures. Bisous, ciao. J'ai mis mon pilou-pilou. Forcément, quand je suis en montage, il y a pilou-pilou. Et je caille en plus. 19, ouais, il fait 19, mais c'est un 19 de vieille maison. Donc on est peut-être sur 17. Allez, ciao.